PEGI 18. Bien le bonjour. Voici donc venir un nouveau chasseur de l'arche sur Pandore. Bon sang, mais c'est Gage! La mécromancienne? Ne vous laissez pas abuser par son douminois, l'ami. Gage n'a rien à envier au tueur de masse. Prenez ces petits gros ennuis qui rendent ces attaques électriques considérablement plus... Moi, jetez plutôt un coup d'œil. Bien, vous aurez remarqué plusieurs choses. D'abord, quand Gage achève un ennemi d'un coup critique, sa barbe déclenche une gigantesque tempête électrique autour de lui. Ensuite, quand ses ennemis subissent des dégâts électriques, ils peuvent parfois s'enflammer. Et enfin, notez que ces deux caractéristiques sont vraiment du tonnerre. Mais laissez-moi maintenant vous parler de la plus grande arme de Gage. Piège mort. Ce combattant flottant peut s'en prendre à ses ennemis de toutes sortes de manières redoutables. Son attaque du clap explosif, par exemple, peut liquéfier quiconque a le malheur de s'approcher un peu trop près de lui. Il peut aussi régénérer le bouclier de ses alliés. Et bien entendu, en tant que robot de la mort, il est contractuellement équipé d'un laser géant qui enflamme ses victimes. C'est charmant. Mais même sans son piège mort, Gage reste une adversaire de taille pour ses ennemis. Observez sa compétence à un cheveu, absolument spectaculaire pour ceux d'entre nous qui ne savent pas vraiment viser. Un cheveu donne à toutes vos balles perdues une chance de rebondir et d'aller malgré tout toucher sa cible. Même si vous tirez à côté, vos balles trouveront toujours un moyen d'aller se loger dans la matière grise de vos ennemis. N'est-ce pas adorable? Mais si vous craignez qu'une telle compétence puisse rendre Gage un peu trop unidimensionnel, alors c'est que vous ne connaissez pas encore sa compétence la plus ardue et gratifiante. L'anarchie. Laissez-moi vous expliquer. Si vous tuez un ennemi ou que vous videz votre chargeur en combat, vous recevez un cumul d'anarchie. Chaque cumul d'anarchie vient augmenter vos dégâts, mais diminue votre précision. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais rendez-vous compte, vous pouvez gagner des centaines de cumuls d'anarchie en combattant. Après quelques temps, vous infligez une masse incroyable de dégâts. Bien sûr, votre précision est parfaitement à la rue, mais si vous avez la chance de toucher un ennemi, il le sentira passer. Ah ça, il le sentira passer. Il y aurait encore trop de choses à dire sur toutes les compétences de Gage. Que vous souhaitiez électrocuter vos ennemis, les anéantir à coups d'anarchie ou les démolir avec un robot géant, une chose est sûre, Gage est une vraie brutasse. Et maintenant, allez donc vous faire respecter. Non mais...